اليوم ان شاء الله رايحين ندخلوا لا سيكونس 2 ونشوفوا لا ليكتور جو لي اي جو كومبران دونك نشوفوا لو تيكست هنا راه يتكلم على لو فينيك الفينيك هذا سي ان انيمال دو ديزير يعني حيوان يعيش في الصحراء ونلقوه في الصحراء الجزائريه كاين يعني بكثره دونك سي ان انيمال دو ديزير لو فينيك لو فينيك est un petit animal يعني هو يجي صغير شوفوا يعني شوفوا لا طاي تاعه ماهوش كبير دونك لو فينيك est un petit animal il a la taille d'un chat عندها لا طاي نتاع القط il ressemble beaucoup au renard c'est qui le renard هو الثعلب ديجا عنده شبه كبير مع الثعلب ورايحين نشوفوا واحد لا فراز اللي تبين لك بلي هو يشبه بزاف للثعلب دونك il ressemble beaucoup au renard on l'appelle aussi le renard des sables le renard des sables يعني ثعلب الرمال دونك عنده يا اما le phénix sinon le renard des sables cet animal sauvage bien sûr il est sauvage ماهوش domestique qu'est-ce qu'on a dit la fois passée on a sauvage c'est un animal qui vit dans la savane, dans la forêt, il ne vit pas avec l'homme. Maouche domestique. Donc c'est l'antonyme ou le contraire de domestique. Donc c'est un animal sauvage. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers. C'est quoi les terriers? Les terriers qui mettent le lapin ou le lièvre. Le lièvre. Donc dans des terriers. L'ours il a un terrier. Donc تقريباً l'ours parfois بعض المرات عنده كل يعني كل les grottes dans des grottes. Donc il vit dans des terriers creusés dans le sable. Il dit واحد الحفر يعني في الرملة. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Sort alors le fennec du désert sort يخرج pour se nourrir de plantes. باش يتغدى باش بالأعشاب. Donc, de plantes, أعشاب ou النباتات. De plantes. Plantes ou nabêtes. Il chasse aussi les petits animaux. Il s'aïtani les petits animaux comme les lézards. Les lézards, c'est sihliya. Sihliya ou la sihliya, en arabe. C'est les petits lièvres. Lièvres, c'est les arani en arabe. Avec ses petites pattes, les pattes, les pattes. Donc, première patte, deuxième patte. Ok, deux pattes en arrière. Donc, avec ses pattes, il court vite sur les dunes. Dunes, huma, le kuthben ramlia. Donc, d'après Gabriel Kamp, Fennec, Encyclopédie Berbère, édition 1997, page. Donc, à dire, l'auteur, je connais, ou le. D'après, c'est-à-dire l'édition, je t'ai. Je vais relire le texte. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux, comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Yijri, yijri, yani bisoura ala al kutber ramliya. Donc je relis pour la dernière fois, t'amkouf la lecture. Le fennec. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes.
Donc voici la lecture. Donc la compréhension de l'écrit. Je lis, lis le texte puis réponds aux questions. Qu'est-ce qu'un fennec? Je reviens au texte. Nous l'énergie. Le fennec est un petit animal. Est un petit animal. Hein? Où habite-t-il? Là, habite. Donc, cet animal sauvage habite dans le désert. Dans le désert. Sahara. Complète avec les phrases du texte. Le fennec a la taille de qui? Regardez bien les deux animaux. Alors, le fennec a la taille d'un chien ou bien d'un chat? Je reviens au texte. Je reviens au texte. Le fennec, voilà, il a la taille d'un chat. C'est tout à fait normal. Donc, le fennec a la taille d'un chat. Ici, c'est tout d'un chat. Pas le chien. Il ne ressemble pas au chien, mais il ressemble au chat. Le fennec ressemble beaucoup au. Déjà, on peut mettre comme au. Parce que la gazelle, c'est le féminin. À la gazelle ou bien au renard? Donc, je reviens au texte. Donc, regardez. Il ressemble beaucoup au renard. Il ressemble beaucoup au renard. Donc, ici, je réponds par le mot ou bien par l'animal renard. Le fennec ressemble beaucoup au renard. On enchaîne. Choisis la bonne réponse. Comment appelle-t-on aussi le fennec? Est-ce qu'on l'appelle le renard des montagnes ou bien le renard des sables? J'ai oublié le texte. Tsma3nou, ana nqoul lkoum daiman tsma3nou f texte. Donc, est-ce qu'on l'appelle le renard des montagnes ou bien le renard des sables? Nqoulou, le fennec est un petit animal, il a la taille d'un chat, il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi comment? Le renard des sables. Tarimel. Mchit al-jibel. Montagne hum al-jibel. Donc, le renard des sables. Donc, la réponse, c'est, on prend cette réponse qui est le renard des sables. Regarde la photo, puis trouve la phrase du texte. Où vit le fennec? Regardez. On revient au texte. D'après le texte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il vit dans des terriers creusés dans le sable. Hofar, hein? Yani, donc, des terriers dans le sable. Voilà. Donc, où vit le fennec? Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Hein, moi, les terriers. Complète avec les phrases du texte. De quoi se nourrit le fennec? Le fennec se nourrit de quoi? De plantes. De plantes. Raha fi nas, nerja'u li nas kedalik. Daiman ala nqoul lkoum tma3nou fi nas. Donc, on va chercher. Alors, le fennec du désert sort pour se nourrir de quoi? De plantes. Donc, hadi loula. Donc, le fennec se nourrit de plantes. Que chasse le fennec? Le fennec chasse, alors, Kane, des lézards et des lièvres. Le texte toujours, donc, regardez. Donc, il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. Donc, on enchaîne. Donc, voilà. Alors, ce texte. Est-il une histoire du fennec ou bien une description du fennec? Ana yhkina qissa ala le fennec ou la rah yousafna la description, on décrit le fennec. Eh bien, on prend la deuxième réponse qui est une description du fennec. On décrit le fennec, on donne des informations ana nato ma3loumat ala le fennec. Où vit-il? Qu'est-ce qu'il a? L'habitat ta3a. Donc c'est une description. Donc, une description du fennec. Relis le texte, puis en deux phrases, présente le fennec à tes camarades.
tu peux faire un dessin. Donc, يقول لك عاود قرأ النص. يعني تدي المعلومة تديهم من النص ما تروحش تجيب من عندك. Donc, هنا تقول le phénix est un petit animal qui vit dans le désert. Ça y est? Donc, le phénix est un petit animal qui vit dans le désert. C'est un animal sauvage. Il se nourrit de plantes, de lézards et de petits lièvres. Le fennec est un petit animal qui vit dans le désert. Il ressemble au renard. Il vit dans des terriers. Il se nourrit de plantes, de lézards et de petits lièvres. Donc, c'est un kefi. إذا نقول لكم نكتفي اليوم بهذا النص إن شاء الله وإن شاء الله تكونوا استوعبتوه ويعني باش تنموا اللغة تاعكم الفرنسية لازم طالعوا مطالعة ولازم النص تفهموه جيدا على نسمو قلت لكم لا كومبريونسيون دو ليكري يعني فهم المكتوب ما بقاش ديك القراءة نتاع يعني لو بيروكي بدون فهم نقول لكم وفقكم الله إن شاء الله ويجعلكم من الأوائل دائما ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.